présent à son bureau, puis j'ai sorti à 8h moins quart le soir du bureau pour me faire dire que j'étais en dépression majeure. Ça, ça a été un coup de pelle ronde derrière la tête. Entre l'apparition des premiers symptômes de maladie mentale chez une personne et la stabilisation de son état, on compte en moyenne 7 ans. 7 ans de tumulte et de tourments. Au milieu de cet enfer interminable, et après avoir parcouru les dédales de notre système de santé, arrive une journée mémorable, celle où le diagnostic tombe, faisant déferler une foule d'émotions contradictoires. Louise Pearson, 48 ans, diagnostic dépression majeure. J'aurais aimé qu'on me dise un peu plus sur le sentiment que j'avais, sur un peu plus qu'est-ce que j'allais peut-être vivre, pas nécessairement, mais peut-être vivre un peu... connaître un peu mieux la maladie, parce que c'est sûr que pour moi, c'était de l'inconnu. Jean-Rémy Provost, directeur général de Revivre. Revivre est une association qui soutient les personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. Je pense que, comme dans n'importe quelle profession, il y a des très bons médecins et des très mauvais médecins. Il y a des médecins qui savent travailler en équipe, savent référer leur patients aux autres endroits, mais il y en a d'autres qui n'ont aucune idée et se préoccupent que de la prescription. Et après ça, merci, bonjour. Michel Gervais, directeur général du Centre hospitalier Robert Giffard. Pendant des années, on a considéré que la maladie mentale était une maladie de l'âme. Et ça a entravé la recherche parce qu'on ne fait pas tellement de recherche sur la maladie de l'âme. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a toujours des facteurs biologiques, et dans le cas de certaines maladies, des facteurs biologiques ou physiques prépondérants. Souvent, la maladie mentale est en grande partie une maladie, un dysfonctionnement de l'organe qui s'appelle le cerveau. Et bien là, ça devient plus intéressant pour la recherche expérimentale. Et il y a un très grand retard de la recherche en santé mentale, précisément pour ça. On a cherché dans d'autres voies. On a fait d'immenses progrès dans le traitement des maladies mentales au cours des dernières décennies, c'est indéniable. Mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de personnes doivent passer par un long et pénible processus d'essais et d'erreurs avant d'être réellement soulagées. Michel Simard, 47 ans, diagnostic trouble bipolaire. Michel vit avec la maladie mentale depuis son enfance. Ce n'est qu'en 1998 qu'il est finalement diagnostiqué. J'ai été diagnostiqué depuis 1998 et depuis ce temps, ils n'ont pas encore réussi à avoir une médication adaptée dans mon cas. Pierre Lévesque, 54 ans, diagnostic dépression majeure. Pharmacien spécialisé en psychiatrie, il vit lui-même avec la dépression depuis 1985. Disons en partant que je prends 3 antidépresseurs. Bien sûr, j'en suis pas venu à 3 du premier coup. C'est au fur et à mesure que les épisodes se sont passés. Mon psychiatre m'a d'ailleurs dit, « Monsieur Lévesque, vous savez, il dit... Vous êtes le premier patient dans ma vie auquel je prescris 3 antidépresseurs. Mais il dit, vous savez, dans la vie, il faut parfois être créatif. Pierre Baudet, la cinquantaine, diagnostic trouble bipolaire.
Pierre n'a pas la chance que certains ont. Aucun médicament ne fonctionne pour lui. Résultat, il se porte bien environ 4 mois par année. Les 8 autres mois, il les passe en dépression. Les traitements sont difficiles dans mon cas parce que les antidépresseurs ne fonctionnent pas. On a essayé la batterie d'antidépresseurs, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, je ne sais trop. Tous les antidépresseurs possibles et impossibles, et puis malheureusement, ça ne fonctionne pas. Depuis, je dirais, l'été 1993, je prends des antidépresseurs sans discontinuer et je n'arrêterai jamais. Jean-Paul Bélanger, la quarantaine, diagnostic trouble bipolaire. Jean-Paul est stable depuis 2004. J'avais tout le temps la tête pleine de choses. Maintenant, après le premier médicament, whoop, j'étais capable de réfléchir sans avoir ces mille voix qui se promenaient dans ma tête tout le temps. Ça fait peur. T'sais, tu te dis, c'est ça, c'est quoi cette affaire-là? Je suis-tu rendu, c'est ça, être normal, avoir rien en tête? Diane Thérien, 45 ans, diagnostic trouble bipolaire. Quand j'ai commencé à prendre du lithium, là, ça a pas pris, je te dirais, 4-5 jours là, qu'il y a eu un changement radical dans ma vie. Là. Fait que, oui, c'est dur, tu sais, les effets secondaires avec les médicaments, mais si j'arrête le lithium, ce que j'ai essayé plusieurs fois, je rechute automatiquement. Même lorsque les médicaments fonctionnent bien, c'est toujours difficile d'accepter l'idée que pour vivre normalement, on doit prendre des pilules qui agissent sur le cerveau. Quand on va à la pharmacie puis qu'on dit « j'ai besoin de mon lithium », c'est... Moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça difficile parce que le monde aux alentours, puis la personne qui est derrière le comptoir, elle ne te connaît pas. Puis elle dit « Ah, il est sur le lithium. » Rick Bugeaud, 30 ans. Diagnostic, trouble d'anxiété généralisée. Là, c'est sûr qu'en étant anxieux de prendre un médicament, c'est comme si tu perds le contrôle de toi-même. Puis tu peux pas, demain matin, je peux pas, là, présentement, dire j'arrête. Sauf que à la longue, j'étais tellement écœuré de filer mal, puis de même plus capable de me rendre au travail, de là dire, là, je pense que c'est assez, je vais lui faire confiance, puis je vais en prendre. C'est tout un apprentissage pour le néophyte que de s'y retrouver dans la panoplie de médicaments qui existent pour traiter les maladies mentales. Et dans bien des cas, le manque d'information est tout aussi déplorable à l'étape du traitement qu'il l'a été au moment du diagnostic. C'est pas le professionnel de la santé qui connaît le besoin de la personne, c'est la personne elle-même qui connaît son besoin. Elle a besoin d'expertise des autres professionnels, mais c'est elle qui est l'expert dans sa vie. C'est sa vie qui a basculé à un moment donné. Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé en droit de la santé. Normalement, ça devrait être un rapport de partenariat où la personne est impliquée directement dans ses processus, dans ses décisions de traitement. En termes de choix de traitement, choix de professionnel, choix d'établissement, on doit informer la personne, évidemment, lorsqu'on lui fait de tout ce qu'on appelle les règles du consentement éclairé. Donc, essentiellement, la personne, peu importe si c'est une maladie physique ou une maladie mentale, c'est le même processus qui devrait s'appliquer. On se rend compte qu'en maladie mentale, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Ça a changé un peu. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Ghislain Goulet, directeur d'Action Autonomie. Il travaille pour défendre les droits des personnes atteintes d'une maladie mentale. Une thérapie réussie, c'est une thérapie qui est partagée, c'est une thérapie avec laquelle on prend en main nous-mêmes, comme personnes soignées. Tu ne peux pas guérir quelqu'un en l'imposant à l'autre. Ça arrive plein de fois qu'on dit à une personne atteinte de maladie mentale, tiens, je te donne ta prescription, puis tu t'en vas chez vous. Tu n'as aucun mot à dire, tu prends ça et tu t'en vas chez vous. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens parce que c'est elle qui va prendre ces médicaments-là, c'est elle qui va... C'est de sa vie qui est question, là.
Même après avoir obtenu un diagnostic et un plan de traitement, la personne atteinte de troubles psychiatriques n'est pas au bout de ses peines. La maladie mentale est complexe et elle nécessite un suivi que notre système de santé ne semble pas en mesure d'assurer à l'heure actuelle. Je vais voir mon médecin, mais après ça, je fais quoi dans le quotidien? Parce que c'est pas vrai que le médicament, le lendemain matin, va faire effet. Ça va prendre du temps. Je vois le médecin, je lui parle un petit peu de mon cas vite. J'ai fait de l'angoisse, j'étais à Saint-Luc. J'aimerais ça être suivi par un psychiatre pour peut-être question de dosage. Elle me dit, va voir ton médecin de famille. Là, je ravale ma salive pour être poli, pour pas dire, si j'avais un médecin de famille, je pense pas que je serais ici en train de te parler, tu sais. Fait qu'elle me dit, je redemande, oui, je sais, mais j'ai pas de médecin de famille. J'essaie de faire entendre raison, mais il n'y a rien à faire. Fait que là, elle me donne un papier, tu sais, prends telle chose, t'as mal à la tête, prends une aspirine. Ah, puis il y a une pharmacie en bas, si tu veux. Je crois avoir une bonne psychiatre qui fait tout son possible. Mon cas est lourd. Bon, mon cas est lourd. Il y a des cas plus faciles. Malheureusement, le mien est moins facile. Dans la maladie mentale, le suivi est une chose extrêmement importante. Sinon, si vous voyez un médecin spécialiste de temps à autre, la continuité du traitement est mise en danger. Avec tous les cas, de toute façon, je les vois aller, je les vois courir. Avec tous les cas qu'ils ont, ils sont dans l'impossibilité. Ils n'ont pas le temps, effectivement, de faire de psychothérapie pour problématiser. Marc, 30 ans, diagnostic, troubles anxieux. Je suis vraiment malchanceux. Moi, dans la vie, mes thérapeutes me laissent tomber. Donc, il y en a un qui a pris sa retraite, puis l'autre qui a changé de pratique, il s'est en allé à Pinel. Quand j'ai rappelé, on me dit, écoutez, on pourrait vous offrir un rendez-vous dans un an. Là, j'ai dit, ben, écoutez, ça n'a pas de sens. Là, elle m'a dit, tout ce qu'on peut vous offrir pour l'instant, c'est des rencontres sporadiques avec des psychiatres itinérants qui viennent d'autres hôpitaux, parce que il y a un nouveau moratoire à Montréal qui fait en sorte qu'on ne peut pas engager de psychiatre. Puis moi, je reste centre-sud. Il y a une mission tout près de chez moi. J'ai pas besoin d'un doctorat en psychologie pour savoir qu'il y a des malades mentaux qui se promènent dans la rue, qui sont itinérants, qui sont complètement laissés à eux-mêmes. Selon une étude canadienne réalisée en 2000 auprès de 1168 sans-abri et anciens sans-abri, pas moins de 40% d'entre eux présentent des troubles mentaux de tous ordres. Sylvain Nicole, dans la trentaine. Diagnostic, trouble bipolaire. Sylvain vit avec la maladie depuis 1997 et a été diagnostiqué en 2004. Maintenant, là, je suis vraiment laissé à moi-même, premièrement, parce que le CLSC, même s'il offre des services de santé mentale, je suis assez malade pour avoir des services. Là, je suis 48e sur la liste d'attente. Puis, pour moi, là, c'est j'attends toujours après quelque chose. Là. Toujours en attente là, après un service ou après pour que je puisse agir là, pour devenir autonome. Mais ça, là, je ne peux pas trop compter sur le système de santé en ce moment. Là. Si vous aviez à créer un symbole de masculinité idéal, de quoi aurait-il l'air? Quelle serait son utilité? Partez à la recherche du pénis parfait, vendredi le 6 mai, 22h, à Canal+. C'est les n'importe quoi avec la pellicule Press and Seal de Glad. Tellement polyvalente qu'il est facile de se laisser emballer. Incroyable! Un gel nettoyant qui est aussi un masque. C'est le nouveau Visibly Clear 2 en 1 de Neutrogena. Chaque jour, il élimine les impuretés pour purifier la peau. Utilisé en masque, il désincruste les pores. Vous êtes comme bien des femmes, comblées mais débordées. Eh bien, respirez. Coup de pouce est là pour vous aider. Il vous offre tous les mois des reportages actuels, des chroniques utiles, des conseils d'achat, des astuces déco, une mode pour les vraies femmes, des métamorphoses beauté, des petits prix et de délicieuses recettes express. Tout ce qu'il vous faut pour mieux vivre au quotidien. Coup de pouce, le vrai magazine pratique. C'est juste pour un petit...
En l'absence d'un suivi médical digne de ce nom, la seule planche de salut qui reste aux malades, c'est d'avoir un bon réseau de soutien autour d'eux, que ce soutien vienne des proches ou de la communauté. Il n'y a pas eu de rejet de la part de ma famille, de mes parents, de mes frères, sœurs, fils. Au contraire, ces gens-là m'ont toujours soutenu. D'ailleurs, c'est la base de mon réseau actuel. J'aime pas ma famille, je sais pas ce que je fais. Richard Langlois, 45 ans, diagnostic trouble bipolaire. Au milieu des années 90, il traverse un épisode de maniaco-dépression jumelé à une psychose. Le bouleversement est complet. Toute sa vie change. Quand on arrive comme ça à l'hôpital, on a toujours nos obligations. On a toujours nos paiements. Exemple. On a nos assurances, on a notre loyer. On a plein de choses comme ça qui font partie de nos obligations. Mais là, on se retrouve. Moi, je me retrouve à l'hôpital. J'ai peine à signer mon nom. Alors, il y a une personne de l'entourage qui, forcément, prend cette dimension-là en charge. Dans mon cas, ce fut mon père. Puis plus tu fais des crises, plus tu deviens solitaire. À tel point que lors de la dernière crise, ça a été difficile de ramener tout mon monde. Il y a un de mes frères qui ne voulait plus me parler. Les gens avaient fait, tu sais, on a assez, là. C'est trop. Tu sais. Alors, tranquillement, je suis revenu, un par un. Chez certains, c'était plus facile, chez d'autres, plus difficile. Mais, tu sais, aller rechercher la confiance, parce qu'on perd la confiance. C'est atroce. On se sent seul au monde. Quand une personne prend une médication, il faut se poser systématiquement la question, est-ce que cette personne-là a besoin d'accompagnement? Puis sinon, pourquoi, s'il vous plaît? Si c'est un manque de service, bien, la plupart, c'est ça la réponse. Il y a un manque de service. Alors, s'il y a un manque de service, c'est pour ça que des services comme le collectif doivent absolument être reconnus. J'ai eu la grâce sur mon chemin d'être aiguillé vers un centre d'entraide pour les maniaco-dépressifs à Québec. J'y ai rencontré des gens tout à fait extraordinaires. Puis, sur le coup, c'est drôle parce que tu réalises que, oups, il y a un notaire qui est là. Oups, un prof de cégep. Oh, une infirmière. Tu sais, c'est bien. C'est mon Dieu. Tu sais, c'est ça qui se passe. Tu dis, ça touche des gens de partout. Christine Desfossés, 25 ans, diagnostic troubles anxieux. Au début, les groupes d'entraide, ça a été ma porte de sortie. Puis j'avais besoin de voir du monde comme moi. J'avais besoin que quelqu'un enfin me comprenne à 100%, que quelqu'un ait déjà ressenti ce que moi je ressentais. Nous avons accompagné Christine à une rencontre de groupe de Phobie Zéro. Si vous êtes nouveau à Phobie Zéro, bien moi je vous dis que continuez, lâchez pas. Il y a des trucs à apprendre ici, il y a de l'encouragement des autres. Moi c'est Christine, je fais de l'anxiété puis de l'hypochondrie. Bonsoir, moi c'est Suzanne. Je faisais des crises de panique. Je les ai pas vues depuis, je dirais, presque 8 mois comme il faut. Puis Phobie Zéro a été un gros point ici aussi pour moi. Suzanne Dubois, directrice générale de la Fondation des maladies mentales. C'est un endroit souvent où la personne va aller chercher du réconfort, va avoir du respect, beaucoup. Le respect, c'est quelque chose d'important. Et du support, de ne pas se sentir seule là-dedans à vivre ça, c'est important. Et les groupes communautaires vont prendre le temps d'accompagner cette personne-là durant cette phase de maladie-là. On a beau rêver, c'est pas demain que le système de santé va être en mesure de suivre et de pratiquement tenir la main d'une personne qui en a besoin. Mais je pense que l'action communautaire est là justement pour jouer ce rôle-là, le côté très, très humain, très supportant et très partage. Bien important de ne pas se sentir seul.
qui m'a sauvé une fois, c'est l'association Revive, parce que je planifiais de faire un trou dans le plafond pour passer un câble à travers le beam pour pouvoir me pendre. Puis c'est l'infirmière de Revive qui a appelé. Je dirais que ça peut faire la différence entre la vie et la mort, parce que de vivre tout seul avec ça, j'aurais pas été capable. Puis après avoir parlé avec l'infirmière de Revive, bien, je me suis en allé à l'urgence. Fait que c'est pour vous dire que des fois, ces associations-là, bien, ils ont leur raison d'être. Parce que je serais peut-être pas de ce monde aujourd'hui. Ce qu'on se rend compte à Revive, c'est qu'il n'y a pas de barrière de professionnel. Je vois pas quelqu'un avec un sarrau blanc. Je vois pas quelqu'un qui a une horloge en arrière puis que j'ai juste une heure pour lui parler de ma vie puis il faut que j'y fasse un chèque tantôt parce que c'est 115$. Donc, c'est en toute liberté, d'égal à égal, je viens parler de mon cas. Un centre d'entraide comme ça peut apporter beaucoup à toute personne, finalement, qui est atteinte de la maladie. De pouvoir jaser, échanger avec des gens qui vivent la même chose. Et plus que ça, de pouvoir partager ses émotions, sortir le fond, sans que personne te juge. C'est une grâce, là, non? Donc, à Revive, on les reçoit simplement et on tente de faire, je dis bien, on n'a pas la solution idéale, mais on tente de rejoindre tout le monde. Revive, bonjour. Oui, comment puis-je vous aider? Oui, alors... Ce qui est déplorable en ce qui a trait au soutien communautaire, c'est qu'il y a, là aussi, un manque criant d'effectifs et un grave problème de sous-financement. Il faut dire que, contrairement à ce qui avait été prévu, l'argent récupéré par la désinstitutionnalisation des psychiatrisés n'a pas suivi le malade et n'a pas été redistribué dans le secteur communautaire. OK. Alors, vous voyez le numéro du CLSC, c'est le 766. Les CLSC, les hôpitaux travaillent très, très fort et malgré tous les efforts qu'ils font, ils sont débordés. Notre mission, nous, c'est de rendre accessible des services professionnels de thérapie à une clientèle à faibles et moyens revenus. Sur 6 centres qui offrent des services comme le collectif de psychothérapie populaire de la Rive-Sud, il y en a 5 qui sont menacés là, de fermer si on n'a pas si on n'a pas un minimum d'argent. Moi, j'ai 7 CLSC qui me réfèrent, c'est pas rien. 2 hôpitaux, le centre de crise. On est en partenariat avec les organismes communautaires aussi. Suicide Action. Un appel sur 2 reste sans réponse. Nous avons nous-mêmes téléphoné. Le cas de Suicide Action n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des conséquences du manque d'argent des ressources communautaires pour le malade et ses proches. Suicide Action Montréal, bonjour. Et si une coïncidence transformait votre vie? Et si le hasard donnait un coup de pouce au destin? C'est pourtant vrai, vendredi 16h et 20h à Canal Vie. Votre visage compte plus de 20 000 pores. Voilà 20 000 opportunités de rayonner et 20 000 raisons pour lesquelles Bioré a créé le nettoyant chauffant en crème anti-point noir qui fait partie d'une nouvelle gamme de soins pour la peau formulée pour le traitement des pores. Bioré, la beauté commence ici. Les conducteurs de Pontiac savent profiter de la moindre occasion. La nouvelle Wave de Pontiac. Goûtez-y. Quels que soient ses goûts, comblez-les avec les nouveaux jouets au menu des joyeux festins. Cette semaine à bout de souffle, Barbara et Vincent, parents de 4 enfants, ont besoin de s'affirmer dans leur vie professionnelle et familiale. À bout de souffle, un rendez-vous à ne pas manquer.
Pour ajouter encore aux difficultés de la personne aux prises avec une maladie mentale, les différents intervenants dans ce domaine ne s'entendent pas toujours sur les façons de faire. Pire, la plupart du temps, ils ne se connaissent même pas. Mylène Bédard, psychiatre à l'hôpital Charles-Lemoyne sur la rive sud de Montréal. Je pense que c'est en travaillant ensemble qu'on aide le plus le patient. Alors, je pense qu'on commence à être loin là, de la chicane, c'est psychologique, c'est biologique. Je pense que c'est une approche, on travaille ensemble et pour le mieux du patient. Le lien ne se fait pas toujours, j'ai l'impression, entre le milieu médical, CLSC, et ces organismes communautaires-là qui sont si précieux aux gens atteints. Ou encore aux gens qui accompagnent les personnes atteintes, parce qu'ils ont aussi des ressources, ces gens-là. Ils en ont grandement besoin. Il y a d'excellents organismes communautaires avec qui on travaille et qui travaillent en collaboration avec nous, et c'est extrêmement profitable. Les gens spécialisés là-dedans, les psychiatres qui sont en deuxième, troisième ligne, est-ce qu'ils peuvent parler aux médecins? Est-ce qu'ils peuvent parler aux organismes communautaires qui voient très souvent les gens en premier parce que les gens ne savent pas où aller, cognent à une première porte dans la communauté? Est-ce qu'ils peuvent parler à l'intervenant qui a vu pendant 3 heures de temps la personne en évaluation? Est-ce qu'on est capable de reconnaître l'expertise de l'intervenant? Denis Audet, omnipraticien à Québec. Contrairement à la majorité des omnipraticiens, il consacre beaucoup de son temps aux gens atteints de troubles anxieux. Les médecins, en général, sont habitués à travailler d'une façon assez individuelle. Hein? C'est des modes de pratique qui sont là depuis des années. Et puis aussi, il y a des gens qui ont une perception de leur façon de travailler qui est la même et puis qui ne sont pas nécessairement intéressés à la modifier ou qui ne seront pas intéressés non plus à partager la prise en charge d'un patient. Bon, je pense qu'on soulève le questionnement du protectionnisme chez les médecins. Il y a aussi l'acte de psychothérapie qui est reconnu chez le médecin, puis qui est reconnu par la carte d'assurance maladie. Fait que tu peux aller consulter un médecin pour avoir une consultation de psychothérapie. Et le médecin va être payé. Alors, est-ce qu'il est formé? C'est une autre affaire. Et puis, ça demande aussi une espèce d'organisation logistique où c'est possible de libérer les gens, comme faut que le psychiatre puisse se libérer pour ça. Ou encore, s'il y a une entrevue conjointe avec le psychiatre et le médecin de famille, il faut prévoir des modes de rémunération qui feraient que ni l'un ni l'autre ne sont pénalisés dans un système comme ça. C'est beau de dire, il manque d'argent, il manque de ressources. Si on mettait bout à bout toutes les ressources au Québec en santé mentale, il y en a plein. Mais parce que les gens ne sont pas au courant de leur existence, c'est comme s'il n'y en avait pas en tout. Si j'avais un mot à dire à quelqu'un au Québec présentement, ce serait au ministre de la Santé, Philippe Couillard. Je lui dirais, vous avez le pouvoir de faire asseoir tout le monde, tous les acteurs en santé mentale, dans une salle, et non pas pour dire, bon, ben on veut sortir de cette salle-là en ayant un consensus, on veut sortir de cette salle-là en ayant un plan, un quinquennal, peu importe. Non, c'est de s'asseoir tout le monde pour se parler. Vous avez la fin de semaine, vous avez la journée pour vous parler, pour échanger. Et ça pourrait faire toute la différence. Tous ces obstacles qui s'accumulent sur le chemin vers la guérison ont des conséquences dramatiques sur ceux qui les subissent. Et en psychiatrie, c'est bien connu, plus les épisodes se répètent, plus les épisodes sont mal soignés, plus la maladie s'aggrave et plus les épisodes qui suivent peuvent être difficiles à traiter. Mario Lamarche, 50 ans, diagnostic, trouble bipolaire. Il a fallu 4 ans au médecin pour trouver le bon diagnostic. Mario a perdu son emploi à cause de la maladie. L'administration est lourde, la structure est lourde, la compréhension n'est pas nécessairement là et on doit toujours escalader pour aller trouver les bonnes réponses et les bonnes solutions. Et ça, c'est exaspérant et jusqu'à un certain point, ça fait que tu vis d'autres périodes de dépression parce qu'à un moment donné, tu te bats continuellement et tu n'as plus d'énergie. Par manque d'informations, de savoir que oui, il existe telle ressource, on perd des gens, on perd des vies, les gens se suicide
par manque d'informations. C'est clair, quelqu'un qui est en dépression, puis qui a des idées de mort, des idées suicidaires, puis qui n'est pas aidé, va potentiellement faire des tentatives de suicide et va potentiellement se suicider. En supposant qu'une personne réussisse à franchir tous les obstacles qui l'empêchent d'arriver à la guérison, ou à tout le moins à une forme de stabilisation, il lui faut ensuite apprendre à vivre avec cette maladie, ce qui n'est pas une mince affaire. Je me suis ramassé chez mes parents à 36 ans, avec une commode, une table de nuit, puis c'est les paiements de char. Le lit ne m'appartenait pas. C'était pas pire. On commence à zéro. Alors, c'était de même. Mais là, recommencer à zéro, quand tu ne sais pas si tu vas revenir, puis l'entourage, là, c'est encore bien moins. Bien, comme être humain, je te dirais que moi, je me suis senti désemparé, pratiquement inutile à certains moments donnés. Je me suis senti également perdu, que j'avais perdu le contrôle de ma vie. Je me re-questionnais continuellement à savoir, une fois que le diagnostic était posé, c'est comme qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui, comment ça va aller dans le futur. Je ne le connaissais pas et j'avais pas ces réponses-là. Valérie Bilodeau, 17 ans, diagnostic trouble bipolaire. À 14 ans, avant d'être diagnostiquée, elle tombe en dépression majeure et vit sa première crise de paranoïa. Je me suis souvent dit pourquoi moi, puis pourquoi ça existe. Moi, j'ai rien fait de pas correct, là, tu sais. Au centre-ville de Montréal, vous écoutez CGRV avec Valérie Bilodeau. J'ai grandi, je rentre à l'école, j'ai jamais fait des cartables, j'ai toujours été correct. Fait que ça me blessé un peu dans un sens parce que je me dis, tu sais, moi, je vais être obligée de prendre des médicaments toute ma vie. Mais je pense que le deuil d'avoir une vie familiale, entre autres, parce que là, je suis divorcé, d'avoir un standing, une vie sociale, d'avoir des amis avec ça, des collègues, d'avoir un travail. Ça, c'est surtout le deuil que j'ai à faire. Puis le deuil de justement dire que bon, Sylvain Nicole, il n'est pas aussi autonome qu'il l'est. Là. C'est surtout ça. Les gens nous voient comme des fous. C'est simplement qu'on n'a plus de contrôle sur nous-mêmes. On est tout à fait là, on est tout à fait capable de parler, de s'exprimer. Mais si je me dis, tu vas voir, demain ça va aller mieux, je m'entends pas. C'est juste ça. C'est pas vis-à-vis des autres le problème, c'est vis-à-vis de nous. Puis on a besoin des autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais beaucoup retravailler un jour. Si je pense, je ne sais pas. Ce que je me souhaite, c'est que ça s'arrête à toute fin pratique. Hein. Et puis oui, j'aimerais beaucoup travailler parce que ça me manque énormément de pas travailler. Énormément. Tu sais, j'arrivais au bureau le matin à 8h30, moi, tiens, puis les dossiers, ben, ouais, donc, les appels des clients, ben, ouais, donc, puis, ouf, on va-tu manger à quelque part ce midi, puis papa, puis, tu sais, je vivais là-dedans, moi, là, tu sais, depuis 20 ans, là, tu sais. Tant aussi longtemps que moi, je ne l'aurais pas accepté moi-même, que moi, dans ma vie à moi, j'aurais pas mis un point dessus, puis dire, OK, je suis bipolaire, je l'accepte, je vais toujours me sentir coupable. Il y a deux lignes, là. Le haut, le bas. Et d'entre deux, là, j'aimerais bien, effectivement, là, retrouver ce registre-là. Là. J'aimerais bien. Peut-être dans 2-3 ans, quand j'aurai fait mon deuil de la maladie, là, j'aurai plus la culpabilité qui va avec. La maladie mentale, c'est quelque chose qui s'installe soit brusquement ou soit tranquillement, pas vite chez quelqu'un. Et c'est pas quelque chose qui peut partir à un moment donné. Naturellement comme ça et de dire bon ben je suis revenu comme avant. Non, je pense qu'on ne peut pas revenir comme avant. Accepter, ça veut pas dire yes, j'ai une dépression. L'accepter, ça veut dire bon, écoute, ça file pas, t'es malade, il faut que tu te fasses soigner. C'est ça que ça veut dire. Et rien d'autre. J'appelle le médecin, je dis garde. Je file pas, je me sens levé là, je me sens partir, l'avion est décollé là. Là, fais-moi prendre de l'huile à break,
parce que là, ça sera pas long, tu vas me perdre. La peur que le patient a à fournir pour sa guérison, c'est de travailler à sa guérison en allant à ses rendez-vous avec les médecins, en prenant ses médicaments, puis à un moment donné, en disant « Oui, bon, ben c'est correct, des effets secondaires, il va y en avoir, il n'y a pas un seul médicament en psychiatrie parfait qui existe. » Bon, tous ont des effets secondaires. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de chialer là-dessus, puis qu'ils acceptent. Mais c'est toute cette accumulation d'échecs. T'sais. Ça fait 10 ans que je vis ça, là. C'est pas évident à surmonter. Quand on vit une période très, très difficile comme celle-là, qu'on a l'impression que notre maison vient de passer dans un ouragan, dans une tempête, et qu'il reste presque plus rien, on regarde comme il faut et on va voir encore le solage, généralement. Le solage, c'est son nos valeurs, surtout. C'est l'amour, c'est ce qui nous reste de plus précieux. Alors, il faut en prendre conscience. Actuellement, j'ai un cocktail qui fait que je n'ai pas fait de manie depuis un an. C'est déjà ça. Mais la dépression persiste encore. Mais de partir de cette grande noirceur, puis tranquillement reprendre la route, de voir peut-être une petite lumière allumée, puis de reprendre la route tranquillement, c'est un temps, ça se fait pas en criant lapin, puis ça se fait pas vite. Ça se fait lentement. Quand je rentre à l'hôpital, parce que je dis que j'ai une dépression sévère, c'est parce que j'ai des idées suicides. Je vais en finir avec la vie. Je sais qu'il y a eu cette situation-là. J'ai pas de plaisir dans la vie. J'ai aussi peu. Je compare à ce que j'avais auparavant, ce que je vivais auparavant, qui j'étais auparavant. Je viens à bout. Je viens complètement à bout. Complètement à bout. Alors, ça peut être, je sais pas, un pilier, puis tu rentres à 160 à l'heure dedans. Ça peut être une affaire comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des flashs, là, tu sais. Tu veux déménager où? Everwood, au Colorado. La vie ne sera plus jamais la même pour les Brown. Pourquoi tu serais pas un père, tout simplement, et pas un médecin? Voyez la série Everwood, de jeudi 20h et vendredi 15h, à Canal Vie. Nouvelle gamme de pain Vitalité. Le choix santé de Gallois. Ça fait déjà 50 ans que nous avons servi notre premier client. Alors venez fêter notre 50e. Savourez deux hamburgers doubles pour seulement 2$. Ou deux cheeseburgers doubles pour seulement 3$. Mais faites vite, l'offre est d'une durée limitée. Cette semaine, nous abordons l'estime de soi, un ingrédient essentiel au bonheur, avec Colette Provencher, Marc Boilard et Winmire Normin. Ça fait 125 ans. 125 années qu'on est capable de se parler. Oui, bon, on pouvait se parler avant ça, c'est sûr, mais ça fait 125 ans qu'on peut se parler sans se voir. Oui, bon, maintenant, aujourd'hui, on peut se parler sans se voir, tout en se voyant, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 125 ans que la communication passe entre nous, hein? Passe à travers des fils. Il y a de moins en moins de fils, c'est vrai, OK, mais là, ça passe quand même. En tout cas, nous sommes de plus en plus proches depuis 125 ans. Tout en étant de plus en plus loin. Hein, parce que ça fait 125 ans qu'on repousse les distances, hein, pour pouvoir s'éloigner tout en se rapprochant. Hein? On n'est plus jamais loin, même de proche. Est-ce que c'est fini, ça? Non, ça continue! 125 ans de rapprochement, c'est belle et bien simple. Voici le sofa lit 5 dans 1 Aerospace. C'est un sofa sophistiqué, un canapé luxueux,
un sofa de détente, un simple lit d'enfant et un grand lit double admirablement merveilleux. Tout ça dans un seul produit incroyable. Et il se range dans son propre sac de voyage compact afin que vous puissiez l'emporter n'importe où. Grâce au progrès innovateur en technologie de charge légère et son système unique de soutien de chambre à air, contenant plus de 70 chambres individuelles de soutien du corps, le Sofali Aerospace 5 dans un berce et supporte quiconque, peu importe quand, n'importe où. Branchez simplement la pompe de puissance turbo à double action et il se transforme de rouler à installer en moins de 60 secondes. Ayez votre carte de crédit en main et commandez le Sofali Aerospace 5 dans 1 pour aussi peu que 4 paiements faciles de $29.95 plus les frais de port et manutention et recevez le Sofali Grandeur 5, la pompe turbo, les 3 embouts réglables et le sac de voyage pour 4 paiements faciles de $29.95 ou envoyez un chèque ou mande de poste à l'adresse qui apparaît à l'écran. Un homme et 20 femmes qui le croient millionnaire. Amour, mensonge, séduction. Greg le millionnaire, dès le 5 mai à Canal Vie. Même lorsqu'on finit par se faire à l'idée d'avoir une maladie mentale, les autres se chargent trop souvent de nous faire savoir que c'est socialement inacceptable. Les gens vont accepter d'avoir une maladie cardiaque, ils vont en parler ouvertement. Ils vont accepter d'avoir le diabète, ils vont en parler ouvertement. Mais d'admettre qu'on a une maladie mentale, c'est différent. Et il y a rapidement transfert dans avoir une maladie mentale et être un malade mental. Et j'ai un corps, j'ai un foie, j'ai un cœur, j'ai des reins, mais je suis moi. Et la maladie mentale affecte la personne dans ses facultés les plus élevées, dans celles qui, au fond, l'élèvent au-dessus des autres animaux et qui en font un être humain. Et c'est donc pas tout à fait la même chose. Et les gens, à travers le regard des autres, qui souvent les ostracisent ou les méprisent, se regardent eux-mêmes négativement et ça entraîne évidemment des conséquences personnelles et sociales considérables. Moi, je me dis des fois, pourquoi ils appellent ça une maladie mentale? Mais si pour trouver un terme plus générique, c'est sûr c'est relié au cerveau, puis c'est pour ça qu'ils appellent ça maladie mentale. Mais c'est parce que ça l'effraie les gens, ce mot-là. L'étiquette de malade mental, j'essaie de l'amoindrir en disant aux gens, bon, je suis bipolaire. Bipolaire, bon, ça se passe mieux dans une conversation que de dire maniaco-dépressif. Aussitôt que tu dis maniaco-dépressif, ben là, les gens s'éloignent de toi. Les gens ont des préjugés. Moi-même, j'en avais des préjugés. Avant d'être diagnostiqué, je ne savais pas c'était quoi cette maladie-là. L'étiquette de malade mental me fait peur. Même qu'on en a discuté ce soir, pour les autres soirées, que je devais-tu être masqué, fais-tu qu'on voit mon visage, je devais-tu me laisser pousser la barbe, mettre des verres de contact, laisser pousser les cheveux, etc. On en a parlé je ne sais pas combien de fois, pour éviter que quelqu'un qui me connaisse me rencontre d'après ça, puis il me dise, ben garde, le monsieur là-bas, c'est un malade mental. On en a discuté, mais moi, je ne veux pas me cacher. Mes patrons, oui, c'est vrai, ils ne savent pas, mais s'ils sauraient, ben, qu'ils sachent. Je perdrais ma job, puis je passerai à d'autres choses. Je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois, perdre ma job. Fait que ça ne me dérange pas. Sauf que j'aimerais ça qu'ils prennent pour une fois, qu'ils disent, ce gars-là, il a une maladie, il est bipolaire, puis que, oui, c'est traitable, oui, il est bien maintenant. Ça fait 3 mois là, je suis pas au travail, pas sûr qu'il me garderait longtemps au privé. T'sais. C'est dur d'expliquer à un patron, j'ai peur de sortir de chez nous là, quand que, c'est pas tout le monde, je pense, qui peut comprendre. C'est des maladies qui ne sont pas ni glamour ni glorieuses. Si vous faites un infarctus, vous pouvez dire, hey, moi j'ai fait un infarctus, j'ai eu 4 pontages. Ça va être, le monde va vous dire, hey, t'as bien passé à travers ça va bien, là, puis bon. Mais si tu as une maladie psychiatrique, c'est l'inverse, tout le monde s'éloigne de toi. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui dans votre famille, dans votre entourage, quelqu'un qui vous est cher, que vous connaissez, qui peut être touché par la maladie. Qui tu es pour me juger? Il y a des gens qui comprennent la situation. Il y a des gens qui ne comprennent pas la situation, ils ne veulent pas la comprendre. En fait, j'ai eu des comportements impossibles, inadmissibles, devrais-je dire aussi, pendant toutes ces séquences de Manila, autant à l'extérieur de la ville qu'à l'intérieur.
Et puis, il y a des gens qui veulent, qui m'ont tassé à partir de ce moment-là. Lui, il est sauté, entre guillemets. Ça se résume à peu près à ça. Alors, un jour, je suis à l'hôpital, vraiment dans une période dépressive, et je reçois une lettre de mon employeur qui m'avait toujours dit que j'étais son king, comme on dit, son représentant. Là. Il avait pas besoin de s'occuper de moi, c'est pas compliqué, là. C'était simple comme ça. Et là, on me dit, comme vous ne respectez pas votre contrat, il fallait que je sois, tu sais, au travail à partir de telle date, comme vous ne respectez pas votre contrat, nous n'avons plus besoin de vos services. Voilà. Puis le monde aussi, le monde qui me regarde dans la rue, là, quand tu rencontres le monde puis que tu dis que tu travailles pas, là, puis ils te regardent puis ils disent « Calique, t'as l'air d'un joueur de football, t'as l'air en pleine forme, t'es un profiteur du système. » Tu fais face à un je fais face à un paquet de choses, un paquet d'idées puis d'opinions que les gens font. Puis ça, je me sens un peu mal là-dedans. Ça me fait mal. Quand tu vois des gens que tu as connus, puis que tu as connus depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont de la misère à te regarder, tu sais. Puis qu'ils disent, exemple, et la dernière fois que je t'ai vu, t'en as chéré une maudite. Hein? T'étais pas beau à voir, tu sais. Ça commence mal, une conversation. Hein? Une fois que le diagnostic de maladie mentale est posé, les gens vivent avec ça. Voyez-vous, et c'est extrêmement difficile à se défaire de ça. D'abord, évidemment, ça traîne dans le dossier médical de la personne. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a un diagnostic qui est fait et qui ne peut pas être effacé. Dans le sens suivant, c'est que, par exemple, les dossiers médicaux, la loi prévoit qu'ils sont détruits au bout de 5 ans, pas détruits au bout de 5 ans, sauf que quand c'est dans un hôpital, la loi oblige l'hôpital à conserver ce qu'on appelle une feuille sommaire, sur laquelle on va écrire le diagnostic. Alors donc, tous les processus dans la société qui font appel l'accès au dossier médical. Quand on parle de l'assurance, ça c'est le principal. Quand vous vous assurez, soit pour la vie ou pour votre invalidité, on voudra vérifier l'information médicale. On risque de la trouver là. J'ai eu des problèmes avec pour obtenir une assurance vie. Il y avait 4 questions. La première question, c'était « Avez-vous déjà été refusé à une assurance vie? » Puis la deuxième question, « Êtes-vous, souffrez-vous d'une maladie mentale, d'un trouble cardiovasculaire, etc. » Donc, puis c'était bien spécifié. Si vous répondez oui à une de ces questions, vous n'êtes pas éligible. Fait que là, déjà, j'en avais 2/4. Je peux pas dire que je me sens réellement brimé. Tu sais, quand une compagnie d'assurance te refuse, bien, ils refusent aussi bien du monde qui ont bien d'autres maladies pour toutes sortes de raisons, de rentabilité, etc. T'sais. Bon, c'est leur système. C'est tout. Puis moi, non, j'ai tout ce qu'il me faut pour bien vivre de toute façon aujourd'hui. Là. Pas que je sois très, très riche, mais je suis très, très heureux. Donc, s'ils sont pas sur mon chemin, garde, là. C'est pas pire que ça. Mais alors, que faut-il faire pour changer cette situation déplorable qui a des conséquences parfois tragiques? Nous avons, comme établissement psychiatrique, une responsabilité, nous, bien sûr, de faire connaître le fait que c'est possible de traiter la maladie mentale. Je pense que ce dont les gens ont le plus besoin, c'est de l'espoir. Je pense que tous les acteurs dans la société, tous nos chapeaux comme individus, que ce soit comme parents, comme enfants, comme conjoints, comme patron, on a tous un rôle à jouer, puis juste se rappeler ça. Puis qu'un jour, ça va peut-être être nous qui allons être bien contents que le voisin d'en face joue son rôle. Augmenter les budgets en psychiatrie et mieux répartir les budgets en psychiatrie. À mon avis, c'est une priorité. Et le ministère doit se pencher là-dessus. Parce qu'à mon avis, c'est scandaleux s'il ne se penche pas là-dessus à court terme. Ce qui est important pour cette clientèle-là, qui ne se manifestent pas dans les lobbies, c'est que vous les aidiez à obtenir l'accès, le meilleur accès, dans le respect de la loi. Vous avez l'obligation de respecter les articles 4 et 6 de la loi des services de santé et services sociaux. Et ça, c'est rien de compliqué. Il n'y a pas d'argent neuf. C'est juste un juste traitement d'une clientèle qui est actuellement discriminée. Donnez-nous-en des ressources.
Donnez-nous-en, on en a besoin. Bien sûr, pour espérer un réel changement, il faut aussi changer les mentalités, celles de politiciens et de la population en général. Au préjugé qui prétend qu'il n'y a rien à faire, que quand on est malade mental, c'est final, quand on a une maladie mentale, on doit être retiré de la société, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont traités, qui retournent à l'université ou au cégep, qui retournent au travail et qui peuvent avoir une vie relativement normale, même en ayant un problème psychiatrique grave. Évidemment, dans le cas de la dépression, elle se traite habituellement très bien et sans récidive. On joue tellement avec les mots depuis plusieurs années que l'on arrive, puis on peut-tu dire maladie mentale? On peut-tu dire, oui, problématique de santé mentale à large pour toute la population? Parce que c'est important aussi pour éviter que des gens qui sont vulnérables en soient atteints à un moment donné. On peut-tu traiter des vraies choses et de dire, bien, ça existe la maladie mentale au Québec? Traitons-la. Il ne faut pas financer avec le suicide, il ne faut pas financer avec ce genre d'affaires-là. Si on a l'impression que quelqu'un ne file pas, il faut essayer de voir, si, en parler à d'autres si on n'a pas le courage de le faire, puis voir si ce gars-là n'a pas besoin d'aide ou cette fille-là. Puis c'est tout. C'est que. Donc, mon souhait, ce serait qu'on soit plus simple par rapport à ces affaires-là et qu'on écoute. Qu'on écoute un peu. Qu'on fasse juste écouter un peu. Nous autres, on est une société en paix. Moi, là, quand je suis sur le téléphone le matin puis que les gens sont en crise au lundi matin puis que j'appelle puis que je prends le message puis que je me fais dire non, il est trop tard, il est mort. Venez pas me dire qu'on est une société en paix. Tout au long du processus, on en échappe, comme on dit. Avant le diagnostic, parce que les gens ne connaissent pas encore assez leur maladie, parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner, et que lorsqu'ils le font, ils se butent trop souvent à des portes closes. On en échappe une fois que les gens sont entrés dans le réseau, parce que les délais d'attente sont beaucoup trop longs. Et on en échappe après, à cause du manque de suivi et de la difficulté à vivre dans notre société avec l'étiquette de malade mental. Et on se demande pourquoi le Québec est au troisième rang mondial pour le plus haut taux de suicide. Les Québécois ne sont pas plus malades que les autres. Ils sont moins bien soignés. Voilà la triste réalité. Et pendant qu'on se traîne les pieds à corriger la situation, nous continuerons de perdre des êtres qui nous étaient chers. J'ai rangé ma folie dans mes tiroirs avec plein de choses à oublier. J'ai pendu ma jeunesse dans une armoire dont j'ai vite égaré la clé. J'ai gardé les épines, jeté les roses. On ne va jamais trop au fond des choses. C'est bien que l'amour rime avec naufrage. C'est possible chez Home Depot. C'est l'endroit où trouver des centaines d'idées d'aménagement extérieur toujours au plus bas prix garanti. Profitez d'un savoir-faire qui vous en donne pour votre argent et faites de vos rêves une réalité. Jusqu'au 24 avril, ne payez aucun intérêt avec paiement pendant un an sur tout projet de 1 000 $ au plus pour le jardin quand vous utilisez votre carte de crédit Home Depot. Home Depot, votre volonté de faire, notre savoir-faire. Découvrez tous les trucs beauté d'une des plus jolies comédiennes du Québec. Véronique Bannon et son amie Mélanie sont les invités d'une émission spéciale de Métamorphose, samedi le 23 avril à 19h30. Ici Joanne Prince. Nous vivons dans un monde de moins en moins dangereux. Et pourtant, nous avons de plus en plus peur. Pourquoi? C'est ce que nous verrons cette semaine à Jeux de société. Voici le système Ab Revolutionizer. Avec des résultats si extrêmes, c'est révolutionnaire.
En effet, nous garantissons que vous perdrez jusqu'à 2 grandeurs de taille de robe ou de pantalon en seulement 10 sessions ou nous vous remboursons. Le tout nouveau système de technologie avancée de remontée pelvienne à triple action du Ab Revolutionizer soulève votre bassin et vos jambes avec un mouvement anatomiquement précis qui cible vos abdominaux supérieurs, centraux, inférieurs et les obliques, tout ça en un seul mouvement qui pousse vos résultats à l'extrême. Et en prime spéciale, vous obtiendrez aussi un repose-tête rembourré et notre guide AbRev Quick Results. C'est une valeur de 30$ gratuitement. Téléphonez dans les 20 prochaines minutes et vous recevrez notre Burn Away the Fat System. C'est une valeur de 50$ gratuitement. Téléphonez maintenant pour commander le système Ab Revolutionizer et nous ferons le dernier paiement pour vous. De plus, vous obtiendrez le repose-tête rembourré, le guide AbRev Quick Results et notre système exclusif Burn Away the Fat qui inclut notre amusante vidéo Rev It Up et Burn It Off et notre plan de réduction cardio. C'est une valeur de 50$ gratuitement. Téléphonez au numéro sans frais maintenant. Si vous aviez à créer un symbole de masculinité idéal, de quoi aurait-il l'air? Quelle serait son utilité? Partez à la recherche du pénis parfait vendredi le 6 mai 22h à Canalevi. Vous vous reconnaissez? Comme une femme sur cinq âgée de plus de 35 ans, vous avez peut-être une vessie hyperactive. Ce problème, qui cause de fréquentes envies pressantes d'uriner, ne vient pas naturellement avec l'âge. Heureusement, il existe des solutions. Pour recevoir gratuitement une trousse d'informations sur les traitements disponibles, visitez vessiehyperactive.ca ou composez le 1-866-752-8497. Et surtout, consultez votre médecin. Deux motards tentent le diable en jouant au chat et à la souris. Mais l'un d'eux finit par perdre la partie. On a tourné et on l'a vu. La moto était tombée. Et il était par terre au bord du trottoir. J'ai cru qu'il était mort. C'est vraiment ce que j'ai cru. Pourtant, cet accident marquera le début d'une étonnante renaissance. La mort soudaine de sa fille âgée de 5 ans.